bienvenue à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec une chaleur écrasante. Je viens d'aller faire des photos dehors et juste ça m'a tué. C'est vraiment lourd. Du coup, tout à l'heure, là, j'ai fait des fonds que voici. Il y en a un là qui est en train de sécher. Et l'autre ici... Attendez, je vous retourne. Voici donc l'autre. Donc je disais, j'ai fait les fonds tout à l'heure et ça sèche, il fait tellement chaud que ça sèche très très vite et c'est très difficile de faire des dégradés lorsqu'il fait des chaleurs comme ça. Ça ne m'aide pas du tout, du coup je pense que les prochaines, là j'en ai trois sur lesquelles je vais faire des fonds, je pense que je vais faire des fonds aquarelles parce que vu que mes peintures sont très liquides, ça met en général plus de temps à sécher. Et du coup, bah, c'est par des temps comme ça qu'il faut que je les fasse parce que ça séchera beaucoup plus vite. Et du coup, moi, ça m'arrange parce que là, mes dégradés, c'est assez compliqué. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le lion, vous savez, le regard de lion dans des tons bleus, violets est vendu. Donc ça m'en fait un de moins. Je crois qu'on est à 41 œuvres en ce moment de disponibles. Ça va se faire, hein, j'ai encore du temps pour les faire, mais je ne vous cache pas que la chaleur, je pense que la chaleur va me faire avancer un petit peu plus doucement parce que ça me fatigue, ça me donne chaud et j'ai plus de mal à faire ce que je veux en termes de peinture, notamment pour les fonds, mais en plus eh bien, c'est que c'est fatigant physiquement, donc je vais faire à mon rythme. Mais ça va se faire. Du coup, vu qu'il fait hyper chaud, eh bien, j'en profite pour faire la mise en forme de mes images. Donc vous savez, je les recadre, je mets mon logo dessus, je les mets au format carré pour celles que je publierai sur la vente, etc. Donc tout ça, ça se prépare. Et du coup, bah, je vais en profiter là pour faire ça. Et... quand il fera un petit peu plus frais en soirée, je peindrai. Je pense que je vais faire comme ça parce que là, je suis suffoquée sinon. Paroxysme. Non, je sais pas. C'était pas ça le mot. On a atteint le paroxysme. On a atteint un paroxysme délibéré. Oh. En ré mineur. Tout à fait. je crois que c'était du fa. Mais non, c'est un ré mineur. Ah non, c'est le ré, bah oui.
coucou, on est mardi. Alors aujourd'hui, j'ai pris les devants, j'ai fermé les stores parce que j'ai vraiment eu trop chaud hier. Je me suis également installé le ventilo à côté. Comme ça, je vais être très très bien. Du coup, je voulais vous montrer. Donc hier, vous m'avez vu commencer à réaliser ça. J'ai commencé à réaliser ces deux pandas. Donc le petit panda roux qui est un petit peu en quelque sorte protégé par le grand panda. C'était vraiment mon idée de départ. Voilà les images auxquelles je me réfère. Et puis ensuite, c'est essentiellement l'inspiration qui va faire le reste. Je pense que je vais mettre des... Vous voyez, il y a du rose sur le grand panda. Je pense que je vais mettre des notes de rose aussi au petit panda pour faire un rappel. Si vous entendez un bruit, c'est mon ventilo qui fait un bruit de folie. Et sinon, alors lui il est ici parce qu'il faut que je mette une deuxième couche de vernis. Les autres, je les ai rangés. Et j'ai commencé à préparer des fonds type aquarelle qui sont en train de sécher. Voilà, donc un orange et jaune. Et celui-ci, orange, violet et jaune. Et celui-ci, je ne sais plus si je vous l'avais montré. Si, peut-être. Donc celui-ci, je ne sais pas encore ce que je ferai dessus, mais ce sera sûrement au cours de la journée que je vais le commencer. Voilà le programme du jour. Du coup, mes deux pandas sont en train de sécher là derrière et j'ai entamé une peinture personnalisée, donc une peinture sur commande. C'est un jeune chien, une jeune chienne d'ailleurs, une Leonberg. Et comme vous pouvez le voir, c'est une peinture sur bois. En fait, c'est que j'ai des commandes qui continuent d'arriver. Et du coup, pour éviter de prendre trop de retard, il faut absolument que j'intercale des commandes entre certaines toiles de la vente, parce que sinon je vais prendre trop de retard. Je dois en avoir une dizaine en attente de commandes. Donc voilà, il faut que j'arrive à m'organiser pour que tout soit fait dans les temps. Donc voilà pourquoi là je fais une pause entre guillemets avec un chien. Du coup, je vais peut-être vous filmer, peut-être pas. Thank you.
coup, on est mercredi, oui, je crois. Aujourd'hui, pas trop motivée à peindre, mais bon, il faut bien s'y mettre. C'est vrai que quand je fais beaucoup, beaucoup de créations comme ça, je finis quand même par me lasser et en avoir marre à un moment. C'est sûr, hein, je ne suis pas une machine, mais j'essaye quand même de me forcer un petit peu de peindre. J'essaye de faire autre chose quand c'est comme ça. Je fais un petit peu plus d'administratif ou des mises en page des tableaux. Mais il faut quand même que je peigne pour avoir suffisamment de toile. Donc j'essaye de tenir le rythme, même si aujourd'hui j'ai pas trop envie. Par contre, il y a le soleil qui se cache un petit peu, donc ça c'est plutôt cool parce qu'il fait moins lourd. Et je peux laisser les volets ouverts, comme ça j'y vois un petit peu plus clair, parce que sinon bah, je suis obligée de travailler avec la lumière comme en plein hiver, donc c'est un peu dommage. Du coup, bah, je vais vous montrer où j'en suis, ce que j'ai fait hier et ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. On a donc ici ces deux toiles, donc le fond à gauche et à droite, un zèbre qui est plus que bien esquissé. Ici, nous avons les deux pandas qui sont secs qu'il faut que je vernisse. Il y a ce fond qui est sec que je vais pouvoir faire, celui-ci aussi. Bon, évidemment, ce sera pas tout aujourd'hui, hein. Lui, j'ai toujours pas appliqué sa deuxième couche. Et là-bas, dans mon bordel, nous avons cette petite chienne, Raven, que j'ai presque terminée. Je pense que je vais lui apporter un petit peu plus de lumière dans ses parties sombres. Mais grosso modo, c'est plus proche de la fin que du début. Les Leonberg, ce sont des chiens qui... ce sont des très grands chiens qui ont une face comme ça très sombre. Donc c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, hein. C'est vraiment une de leurs caractéristiques. Regardez mes petits caladiums comme ils ont bien poussé. Alors j'ai celui-ci qui est le Fiesta, je crois, qui a bien pris. Les couleurs sont vraiment super jolies. Et celui-ci qui est le White Christmas. Normalement il est blanc et vert et je suis contente parce que le mien est plutôt original parce qu'il a des petites... partie rose, c'est rigolo. Il a sûrement été un petit peu hybridé. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je pense que je vais peut-être essayer de les hybrider, les miens, parce que j'ai celui-ci, là, vous voyez, il est en train de me faire une fleur. Là, et j'en ai un autre. Je le cherche. Ouais. Du coup, c'est celui-ci, le White Queen, qui me fait une fleur. Donc, vous voyez, quand ça pousse, on voit bien que c'est pas comme une feuille. Et donc si j'essaye de prendre du pollen de celui-ci et de l'appliquer sur la partie femelle de cette fleur-là du White Queen, eh bien ça va m'hybrider la plante et me faire un mélange des deux. Vous voyez, ça pourrait être sympa. Le blanc et rouge et le vert et blanc, je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Bon, après, c'est pas une chose simple. Il faut réussir la pollinisation. Et ensuite, il faut réussir à faire germer les petites graines, réussir à les garder. Donc, c'est pas dit que j'y arrive, mais bon, j'ai envie d'essayer. Voilà pour les côtés caladium. Thank you.
On est jeudi, on est parti pour une nouvelle journée. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien faire au moins 2-3 toiles parce que je n'avance pas trop en ce moment. Je vais vous montrer le zèbre que j'ai réalisé hier. Donc voilà, celui-ci il est terminé. Je vais nettoyer un petit peu toute ma craie là. Et puis ensuite je vais le vernir. J'ai mes deux pandas que je n'ai toujours pas vernis. Et puis j'ai pas mis la deuxième couche non plus sur mon vautour. Que voilà. Et il faut aussi que j'envoie un message à ma cliente pour le chien sur bois pour savoir si elle veut voir la peinture. Et après ça, en fonction de sa réponse, je le vernirai. En fait, ce que je fais, c'est que en général, je ne vernis pas mes toiles. Je demande aux clients s'ils veulent voir leur toile. Donc s'ils me disent oui, je veux la voir, donc je leur montre non vernis. Comme ça, si toutefois il y a des modifications à faire, voilà, s'ils veulent que j'apporte des petites choses, des petites rectifications, des fois ça peut arriver, hein, voilà, les gens ils vont me dire. Je trouve que ça manque un petit peu de lumière, j'aimerais bien des petites notes de couleur supplémentaires. Bon, en général, c'est assez rare. En général, j'ai pas de retouches à faire, mais je préfère ne pas vernir pour le au cas où. Et puis, en fonction, après, eh bien, si c'est bon pour eux, je vernis la toile. Et puis, si la personne, par contre, me dit « Non, je veux la surprise, je veux vraiment avoir la découverte de la toile lorsque j'ouvrirai mon colis », eh bien, dans ce cas-là, je vernis la toile suite à leur réponse. Donc voilà, il faut que j'écrive à ma cliente pour la petite chienne. Et puis, est-ce que je commence une autre toile personnalisée? Non, je pense pas. En fait, il y a quelqu'un qui m'a contactée et c'est pour offrir à sa grand-mère, je crois, si je dis pas de bêtises. Et son anniversaire est en juillet. Normalement, mes délais de réalisation actuellement sont de 2 mois parce que je prends dans l'ordre d'arrivée. Mais c'est vrai qu'il peut m'arriver si vraiment les personnes sont pressées et ont une date à laquelle ils veulent offrir une toile. Je fais passer la personne devant pour que la personne ait le cadeau en temps et en heure. Alors là, je pensais lui faire un bon, sachant qu'en plus, je vais partir une semaine d'ici là. Donc, je me suis dit, ça va être compliqué de faire cette commande, mais j'aimerais bien quand même que cette grand-mère ait son cadeau pour son anniversaire. C'est quand même plus sympa que de recevoir un bon. Je pense que vous penserez comme moi. Donc, je vais essayer de faire le nécessaire. Je ne l'ai pas dit à ma cliente, donc je pense que ce sera une belle surprise pour elle et je pense que ça lui fera plaisir aussi à elle d'avoir de quoi offrir à sa grand-mère. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc aujourd'hui, je pense quand même que je vais me consacrer aux toiles pour la vente d'été. Comme ça, parce que j'ai encore un petit peu de temps quand même pour la commande personnalisée. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire des toiles pour la vente d'été. En fait, je réfléchis en même temps que je vous parle de mon programme de la journée. Et puis comme ça, ce sera bien, j'aurai du stock. Une autre information... Le tableau avec les 3 manchots, en fait, je l'ai publié sur le groupe Facebook hier. Donc tous les jours, je publie les toiles qui seront disponibles à la vente d'été sur le groupe Facebook. Si toutefois, vous voulez les voir, je vous invite à aller en description de cette vidéo. Vous retrouverez le lien du groupe. Et du coup, bah, quand je l'ai publié, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle voulait me l'acheter à son prix normal, hors vente d'été du coup. Donc les 3 petits manchots sont vendus. Encore un de moins. Donc bah on doit toujours être à 41, non? Je sais pas. J'ai pas regardé. Ouais, parce qu'avec le zèbre, ça m'en fait un de plus. Et avec les manchots, ça m'en fait un de moins. Donc ça doit s'équilibrer. Je sais plus si j'avais compté les pandas. Attendez, je vais regarder. Bon bah je suis à 42 toiles là, de fait. Donc ça va, ça monte un petit peu, ça monte pas trop vite. En fait, c'est comme mon compteur sur Instagram. Je m'en étais un petit peu plainte une fois en story sur Instagram. J'ai beaucoup de gens qui viennent, qui s'inscrivent, enfin qui s'abonnent à mon profil Instagram parce qu'ils aiment ce que je fais. Donc ça me fait plaisir, je suis super contente. Et quand je vais voir mon compteur d'abonnés, je reste toujours au même nombre quasiment. Je suis à 4000, ça fait...
Ça fait des semaines, voire des mois que je suis à 4970, 4972, puis ça redescend, et puis ça remonte. Vous voyez, par exemple, hier, j'ai eu 3 personnes, 3 ou 4 personnes, j'ai vu qui sont abonnées, donc c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça. Et j'étais à 4972 la veille, et du coup, bah, j'actualise, je me dis, bon, bah, normalement, ça devrait monter. Ah bah non, je suis toujours à 4972. Donc je ne comprends pas du tout ce système de comptage d'Instagram. Peut-être que j'en ai qui se désabonnent en même temps, mais je trouve ça vachement bizarre quand même. Donc c'est pas grave, au final, le nombre, on s'en fout. Le principal, c'est d'avoir une communauté présente et de qualité, plutôt que d'avoir 1 million d'abonnés et d'avoir aucune personne qui interagit avec soi, qui sont là juste pour rien faire, en fait. Enfin, c'est ma façon de penser, et je pense que vous la comprendrez. Eh bien, c'est parti pour la journée peinture. Je ne sais pas encore ce que je vais peindre. Il va falloir que j'y réfléchisse sérieusement. Je pense que c'est ce que je vais faire là. En premier temps, j'écris à ma cliente et ensuite je réfléchis aux animaux que je peins et après je m'y mets. Je suis contente, je viens de terminer la toile qui est un petit peu dans les tons de la grande qui est derrière moi là. Vous savez, donc un petit peu violet, turquoise. Je ne voulais pas filmer volontairement parce que ça fera partie des toiles surprises pour la vente d'été. Donc vous avez déjà vu le fond, j'estime que vous en avez déjà beaucoup vu. Donc vous êtes privilégiés d'ailleurs parce que certaines personnes ne regardent pas mes vlogs. Donc ce sera un avantage pour vous qui regardez mes vlogs. Vous savez qu'il y aura une toile dans ces tons-là parmi les toiles surprises. Donc maintenant je vais m'attaquer à l'une des toiles avec les fonds type aquarelle. Je ne sais pas encore ce que je vais faire dessus, ça décide vraiment au dernier moment. Je traîne dans mes dossiers photos et en fonction, je vois ce que je fais dessus. Et j'avais noté également vos idées d'animaux. Je vous avais demandé ça avant de vous annoncer la vente d'été et vous m'aviez donné des idées. Donc je pense que je vais piocher dedans aussi. Il y avait des animaux un petit peu plus particuliers. Dès que je regarde ça, voilà. Alors, parmi ceux que j'ai pas fait encore, je ne les ferai sûrement pas tous, hein, mais je vais essayer de piocher dedans. Après, il y a certains animaux, j'ai pas envie de les faire non plus, donc je les ferai pas. Soit parce que l'animal ne m'inspire pas réellement, soit parce que j'estime que ça va être compliqué pour moi. Par exemple, c'est lequel le lamantin, par exemple. J'ai peur que la toile soit vraiment bizarre. C'est un animal qui est un petit peu informe. Donc je me sens pas de faire un lamantin, peut-être prochainement, mais là actuellement non. Donc sinon vous m'aviez proposé un baudet, un papillon, un renard, un paresseux, chimpanzé, orang-outan, faucon pèlerin, buse, poisson mandarin, aras de spix, tamarin lion, womba, tatou, âne, loutre, lapin, bélier, écureuil, léopard, caméléon et husky. Donc ça c'est parmi les toiles que je n'ai pas fait encore. Je peux surligner le zèbre. Tac. Donc vous voyez, il y a quand même des animaux particuliers qu'on voit rarement en peinture.
Par exemple, le tatou, j'en ai déjà fait une toile de tatou, c'était une commande personnalisée. Le Womba, c'est pareil. D'ailleurs, je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas cet animal. C'est assez particulier. Le tamarin lion, ça peut être joli, c'est un petit primate. Ça peut être sympa. Donc, je vais voir. Je pense que je vais piocher là-dedans. Et je pense que je vais vous le filmer quand même. Allez, bah, je m'y mets et puis on se retrouve plus tard. On se retrouve vendredi où j'ai terminé mes petits tamarins lions que voici. Ensuite, c'est tout. C'est tout ce que j'ai terminé hier. Si l'autre toile que je ne veux pas vous montrer. Là, je vais m'attaquer à cette toile. Et en ce qui concerne la petite chienne, du coup, la cliente a voulu voir la toile. Voilà, si je me mets dans le bon sens, ce sera quand même plus sympa pour vous. Donc, elle a vu la toile, elle en est très très satisfaite. Mis à part quelques petits détails au niveau du poitrail, elle aimerait que je fasse des traits plus noirs, en fait, au niveau du poitrail, pour un petit peu plus le marquer, parce qu'elle est un petit peu plus foncée par ici. Donc je fais ça aujourd'hui et je vais envoyer ça à ma cliente. Et puis ensuite, eh bien, je ferai d'autres toiles. J'en ai ici qui attendent. C'est les 30 par 30 qu'il me reste. Vous vous rappelez, j'en avais commandé une 12, je crois. Et il me reste déjà plus que ça. Il faudra que j'en rachète, je crois. Et là, il va falloir que j'applique d'autres vernis sur celle-ci. Et j'aimerais bien... faire ces supports sur bois. Regardez comme ils sont jolis. Celui derrière, je l'adore. J'adore la forme. Et il est quand même assez gros, hein, si vous voyez, par rapport à ma main. Donc, à voir ce que je fais, parce que ce ne sera pas évident avec le trou à l'intérieur. Il va falloir que je trouve quelque chose qui aille avec cette forme. Thank you.
mon téléphone n'avait plus de batterie, donc du coup, c'est pour ça que ça a coupé en pleine peinture. De toute façon, je crois que j'ai beaucoup de séquences, de petits clips à assembler pour le vlog. Une fois, je les ai comptés, enfin non, c'est pas que je les ai comptés, c'est que quand le vlog est monté, en fait, je les sélectionne tous et je les supprime, ça sert à rien que je les garde, et j'en avais une centaine. Donc voilà, vous imaginez, c'est 100 petits clips à assembler, à faire des liaisons entre les deux, mettre une musique sur chaque, etc. C'est beaucoup de travail. Donc voilà, là je vous disais, je pense que pour ce vlog j'ai déjà pas mal de petits clips. Donc je vais conclure ici. Du coup bah aujourd'hui je vais quand même continuer le Martin Pêcheur et puis peut-être commencer une peinture sur bois si j'ai le temps. De toute façon, je vous montrerai ça la semaine prochaine dans le vlog prochain. Pas de soucis, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis en attendant, eh bien, on va se retrouver sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Facebook et Instagram, eh bien, venez me suivre. Allez, ciao ciao !